On va aller au workbench. Réparer. Puis, je sais pas si on va se faire un mini cabane pour dormir aussi avec un feu de camp. Faudrait. Faudrait que je transforme ça en mini feu, en mini cabane. Oh, c'était vraiment temporaire mon affaire ici. Hein. C'était juste pour réparer. Veux-tu vraiment dormir ici? D'après moi, ça c'est toute la prairie. À 100%. On pourrait explorer ça pendant la nuit, ce serait pas trop dangereux. Ouais, c'est ce qu'on va faire, on va. On va peut-être avoir un peu de grilling là, la nuit, je pense qu'ils sortent plus. On va peut-être même voir des boars pour notre cuir. Je les vois à moitié pas, mais je les vois. C'est surtout dû parce que j'ai allumé un ring light. J'ai pas mis ma webcam green screen puis tout ça aujourd'hui, mais j'ai allumé un ring light pour que vous voyez comme ma main, la cam de ma main. Sinon, ça serait complètement presque noir. À cause de ça, je vois un peu mal le jeu, là. Parce que j'ai comme une light d'en face. Alright. On va explorer vers là. Est-ce qu'on pique dans le milieu, après ça, on explore ça? Après ça, on revient, puis on explore ça. Ou on s'envole là, puis on explore de même. Après, y aller en zigzag, on va essayer d'être efficace. Wow. Ça, c'est le jeu qui vient de sauvegarder. J'ai absolument rien. Ça a vraiment l'air d'être prairie. Ça a l'air gossant comme terrain, par contre. On dirait que ça monte tout le temps. On arrive proche du premier boss. Je pourrais le faire. Il me manquerait un trophée, puis je pourrais le spawner direct là. On va attendre d'avoir un petit peu plus d'armure. Ok, on a tout vu ça, ce coin-là. Je veux-tu aller vers là? Ouh, on explore le milieu ici. Pas mal juste de la prairie, I guess. C'est pas trop vers là, j'ai l'impression que c'est plus du Black Forest. On va tomber pas mal. Fait que je vais explorer le milieu. Espérant qu'on va avoir plus de sangliers possible aussi.
Peux-tu zoomer, dézoomer la carte, la minimap? J'avais trouvé un bouton à un moment donné, genre. Je m'en souviens plus. Alors, j'ai pas vraiment de bois, peut-être en ramasser un peu pendant quand j'en trouve. Zague un peu ici parce que je vais comme tout découvrir ça rapidement. Les animaux dorment-tu quand c'est la nuit dans le jeu là? J'entends. Non, j'ai entendu des cerfs, là, quelques secondes. Je suis sûr qu'il y en a moins. Pas de Black Forest caché dans le milieu là, qui vont nous faire une surprise là. On trouve des choses importantes, c'est pas pire. La nourriture, c'est toujours important. Puis ça en lit, je me souviens plus à quoi ça sert, mais il me semble que c'est important. Bonsoir Roxane. Comment ça va? Est-ce que t'es curieuse sur le jeu Valheim? Je sais pas trop comment le prononcer en fait. Descendre ici. Ouais, bon, on va avoir passé la nuit à explorer le milieu de la map. Manger un peu. Je préférerais explorer ça de jour. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des sangliers que je vois pas du tout là. Ou que la nuit, il y en a beaucoup moins. Ou pas du tout même. Fait que c'est pas trop le fun de tout découvrir ça sans rencontrer un seul sanglier. Quand on a besoin pas mal. Jour 8. Bon, il va commencer à faire clair au moins. Je commence à voir un peu là. Ok, les ennemis commencent à sortir. Fait que c'était de la prairie partout, partout, partout. Yep.
Y en a-tu? Oui, y en a. C'est tellement pas clair que. On n'est pas sûr. Alright, fait que cette map-là découvert partout. Les boss sont là si je veux me les faire quand je vais être prêt. On a un beau petit camp ici pratique, on peut dormir. On a notre maison. Du Black Forest en masse. Ici. Ça, j'ose pas trop y aller. Ça a l'air Black Forest, montagne un peu. Faudrait y aller. Après avoir fait ça, il faudrait y aller. Mais il faudrait... Je sais pas trop. Là. Faudrait... Je retourne au petit camp avant. Peut-être me mettre des coffres puis me vider, je sais pas. What the fuck? On a deux sangliers, fait que j'en profite. Sont allés où là les questions? Voilà. Essaye de me faire des jumpscares. Bon, est-ce que j'avais lu ça? Oh. Alright. Fait que ça va être exploré à 100% ici. Je pensais à mon prochain move. J'ai le goût de continuer là. Bon, c'est quoi? On va probablement se buter à de la Black Forest. Vu que je n'avais... Est-ce que je n'avais vu ici? Ouais, il y en a ici. Oups. Ça ici, c'est de la Black Forest. Montagne. On veut pas aller là. Fait que... ici, je sais pas trop, là. Ça doit être tout de la prairie. Vu que le boss est ici. Pas le choix d'être de la prairie dans ce coin-là, là. Puis les choses que je ramasse, je reste dans la prairie, fait que les choses que je ramasse, c'est pas mal tout ça. Fait que ça se stack tout. Je trouverai rien de spécial. Fait que même si je suis plein, c'est pas grave. Ça va se stacker avec ce que je ramasse. Faudrait peut-être que j'aille réparer. Non, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Je pensais que mon arme était de la merde. Tu sais que la hache en Cinex fait plus mal que ça. Ce qui sert à couper du bois fait plus mal que ça. Est-ce que je l'échange juste pour tester? On s'en va explorer là-bas. On en met de bouffe. On peut s'en faire cuire si on veut rapidement. Ah oui, c'est aussi bon que le bâton, ça. Je vais m'en servir. On n'a pas vraiment besoin de couper de bois. Oh, what? Ah, c'est là qu'on commence. C'est là qu'on commence le jeu. Je me demandais, là, les pierres.
Ok. Peut pas faire grand chose ici. Je vais couper. J'aime ça sur suivre les bords. Là, j'aille là puis je suive le bord. J'aime ça couper, suivre les bords. Ça délimite mon continent le plus possible. Oh, come on! T'as pas entendu dire de tes amis que j'étais plus fort que vous autres? Probablement pas, parce que je les ai toutes tués. C'est ça qui arrive. Ok, ici c'est déjà tout exploré, nos stress. Je pourrais m'essayer de faire le premier boss. Il est juste là, là, en face de moi. Mais faut l'incanter, là. Ah, il manque une un trophée de serre, j'ai rien dit. J'aurais pu me faire un genre de petite cabane avec un lit. Si je meurs, je réparais là, puis je me réessaye jusqu'à temps. Je sais pas trop. Je vais pas précipiter la chose, là. Fait quand même mal le premier boss, là. Faut pas être tout nu, tout nu, tout nu, là. Son attaque est facile à éviter, en fait. Mais des fois, c'est quand même un gros AOE. Tu peux te faire prendre un peu. On prendra pas de chance. Bon, c'est pas mal là qu'on était rendu côté exploration. Sur le bord de la mer. En fait, on sait pas si c'est une mer ou un lac qu'on avait vu comme du terrain, l'autre bord. Tu peux bloquer pas mal de dégâts avec un shield. Oui, oui, oui. En effet, le petit shield de noob, il fait valeur défensive de 20. Fait que tant qu'un mob fait pas plus que 20, je vais tout bloquer les dégâts quand je tiens le shield. Fait que peut-être que le premier boss, je pourrais comme bloquer son attaque. Je me souviens plus de ses dégâts, là. Puis j'ai quand même assez d'énergie, j'en masse de bouffe. Donc je peux bloquer pas mal de coups. Ça ici, ça a l'air d'une genre de petite île. Non, j'ai l'impression que ça fait tout le tour, là. C'est vraiment plus grand qu'on le pense. Mais ça commence tout petit. Ce que je vais voir tout de suite, je me rends même pas là. Ah oui. Est-ce que t'as joué beaucoup, Roxane? Est-ce que t'es rendu loin? J'ai eu une autre partie en coop avec des amis. On est rendu presque... Faut trouver le boss 3, là. On a trouvé... pas mal tout dans le jeu. Sauf les boss. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On commence à visiter puis à être à l'aise dans le biome... après la forêt noire, là, le marécage. J'ai pas trop spoilé non plus, là. On est rendu quand même pas pire. À la moitié du jeu, je dirais. Viens-t'en ici. Boar. Je veux du cuir. Je commence à être pas pire en cuir. J'en ai 21. Bon. Ah, regardez, ça va jusque là-bas. No way. Oh non, la température est pas de mon bord.
C'est sûr que ça va changer en Black Forest ou quelque chose de bizarre, ça. Ah, je pourrais même pas me rendre. C'est comme, faut que vraiment je fasse le tour bizarre comme ça. Ok. J'ai combattu un troll et il m'a décapité. Ils sont assez rough, les trolls. Faut savoir comment les battre. En fait, faut toujours se sauver. Faut les kiter. Genre, quand ils arrivent proche de toi, faut que t'aies de l'énergie, tu run. Après ça, tu shootes tout le temps d'en face. Puis c'est pas mal juste ça, là. Run, kite, tire. Si t'as juste des flèches en bois, ça peut être long. Oh! Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai-tu été là? Non, c'est vraiment là que je vais aller. Ça, je peux pas aller plus loin que ça. Ok. Mange, mange. Ok, on va continuer là. Ah, forêt noire. Fait que ça va pas mal s'arrêter là. Ça m'intrigue pareil, ça va comme jusque là-bas. Fait que le continent, il peut être vraiment, vraiment immense. Bon, la forêt noire commence là, là. On veut pas vraiment aller là plus loin que ça. Ça, c'est toute la forêt noire. Il reste quand même un peu de prairie. C'est bizarre. C'est vraiment fait bizarre. Je sais pas trop là. J'ai pas vraiment d'affaires là. Il y a de la prairie au travers. Il y a encore de la prairie séparée. Ça, on va pas là. Mais là, il y a de la prairie. Est-ce qu'on continue? C'est tellement fait bizarre ce bout de continent là. Il pourrait avoir un troll là n'importe quand. Je pense que je vois même une entrée de troll. Non, c'est pas ça. Et j'ose pas trop y aller. Ça pourrait virer mal. Ça pourrait virer mal. Je suis trop en début de partie pour prendre des chances. Oh my god. Ça m'a fait un saut, l'Onyx. Ça m'a fait un saut, l'Onyx. Il y a un petit bout de prairie qui m'intrigue. Genre ici, c'est safe. Oh my god. Tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps. Oh non! Oh non, il y a une forêt! Une forêt noire là. Ok. Ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici. Je veux ta viande. Ok, moi je traverse là. En espérant qu'ils vont me lâcher prise. Hop! Bye! C'est un grilling, ouais. Je pense qu'ils m'ont pas suivi. On n'attendra pas trop. Fait que, après ça, on va aller là. Ça, c'est intriguant de savoir comment que c'est gros. Je pense que j'ai vu des montagnes là, donc
tu sais, ça peut... Ouf, ça peut aller loin, là. Oups. Il est tellement bon, ce jeu-là. Personnellement, moi, c'est mon jeu de l'année, là. Je vais le répéter sans cesse, là, mais c'est vraiment... Ça fait longtemps que j'ai pas vécu de l'aventure. Un vrai sentiment d'aventure dans un jeu de découverte, exploration, danger, avec du bon gameplay, des bonnes mécaniques de base qui sont le fun pour le joueur. Du bon crafting, un bon un avancement qui est vraiment cool. Avec beaucoup d'heures de gameplay possible. La construction, c'est le fun. Tu peux te faire un gros village. Tu peux jouer avec des amis jusqu'à 10. Tu peux... Tout ça, c'est procéduralement généré. Chaque seed est différent. Puis le jeu est même pas encore terminé. Puis il n'y a pas de bug. Fait que... Enfin, je dis pas zéro bug, là, mais comparé à bien des jeux, il n'y a pas de bug. Fait du bien ce jeu-là en 2021, on va se le dire. Alright. Continue à explorer ici. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont rajouter maintenant que 2 millions d'unités ont été vendues. Ouais, ouais, en effet, en plus, c'est devenu populaire. Ils ont fait beaucoup d'argent, puis le jeu peut juste s'améliorer hein, vraiment, vraiment bien. Là. Ils ont pas de stress. Ils ont fait l'argent en masse. Il y avait déjà, quand ils ont sorti le jeu en accès anticipé, il y avait déjà un roadmap. Donc... on est beaucoup de gens qui l'aiment, ce jeu-là, puis que... On a très hâte de voir la suite. De le voir terminer, en fait. Puis, dans le fond, ce qu'ils vont rajouter, c'est pas mal du... Du gameplay de fin de jeu. Donc... Quand il va être terminé dans un an, qu'il disait à peu près, ben... Si on n'a pas d'affaire à recommencer une partie, ça va être comme du gameplay de fin de jeu. Pouvoir continuer notre partie, puis avoir du contenu plus difficile, des biomes plus difficiles, je sais pas trop. Alright. Encore prairie ici, est-ce qu'on peut traverser là? Ça va rejoindre la Black Forest qu'il y a là, ou quelque chose du genre. Ouais. C'est un genre de lac ici, je pense. Très très intéressant comme comme seed. Ce que j'aimerais le plus, c'est du support pour les mods. Oh oui! Très bonne idée. Très bonne idée. Imagine qu'on pourrait modder ça. On pourrait rajouter, je sais pas, rendre les biomes plus intéressants, rajouter des monstres. Vraiment mettre, je sais pas moi, un mode RP pour que les gens fassent du RP un peu comme GTA. Tout est possible là, rendu là. Oh, il y a donc bien du chevreuil là. Il y a 3 chevreuils. Je vais au moins en faire un. Si je rate pas ma shot. Ah ben lui, il m'a pas vu. Ah, ah, finalement. RIP. J'en ai eu un. Ah oui, des mods pour Valim. Oh boy. Imagine. C'est quoi qu'il y a là? Ma mort? C'est pas une Black Forest, ça? Non.
Il me veut tellement, il traverse la rivière. La magie. Ah oui, j'adore jouer des sorciers dans les jeux en plus. De la magie, très bonne idée. Des nouvelles armes, des compétences, des nouveaux éléments de construction. Oui, c'est vrai que c'est assez limité. Des monstres, plus de monstres. Différents. Oh my god, oui. J'aimerais que ils ont commencé un peu l'idée d'avoir des animaux de compagnie, là, un animal de compagnie, mais j'aimerais qu'ils qu'ils retravaillent ça peut-être pour que ça soit plus, je sais pas, comme si t'avais un chien qui te suit vraiment partout puis qui t'aide vraiment, exemple, au lieu d'avoir un genre de sanglier tout croche qui te suit jamais comme correctement puis tout ça là, je pourrais retravailler ce côté-là. Je vois plus rien. C'est drôle que je parle de ça parce qu'un de mes autres jeux préférés, No Man's Sky, viennent de sortir une mise à jour pour qui ajoute des compagnons dans le jeu. J'ai été me tamer un genre d'animal bizarre tantôt. C'était vraiment cool. Il te suit partout puis il peut faire toutes sortes de fonctions. Vraiment bien fait. Ok, est-ce qu'on arrive dans un genre de forêt noire? Oui, kind of. Mais ça a l'air d'être comme dans l'eau. Donc il n'y a pas vraiment de forêt noire. Ah, peut-être que ça continue vers là. Oh.